Salut les Gones, salut les Phonautes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, émission incroyable avec Philippe Violo. Comment allez-vous? On va commencer par Thiago. Comment tu vas, mon Thiago? Après, on parlera. Salut Jules. Ouais, pas de souci. Salut Julien. Salut à tous dans le chat. Écoutez, les amis, très heureux ce soir de recevoir Philippe, hein, Philippe Violo. Trois fois champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec nous. De deux trophées des champions également. Donc voilà, on va passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure en sa compagnie. Ça va être très sympa. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir également dans le chat. Bon, Philippe, comment tu vas? Je vais très bien. Déjà, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans votre émission, hein, Julien, Thiago. Voilà. Plaisir partagé. Attends, c'est nous qui te remercions. C'est un privilège pour surtout, nous. Tu rigoles. Attends, c'est surtout ouais, pour nous. Voilà. Voilà. Donc, bon. Fini les politesses. voilà, donc je suis ravi d'être avec vous et puis bien sûr, ravi d'être avec toutes les personnes qui vont partager ce moment. Bon, mon ami Thiago, Philippe, les gars, pour tout le chat, pour les petits jeunes, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Philippe Violo, les gars, c'est les premiers titres à Lyon. Philippe Violo, c'est 500 matchs, 507 précisément matchs professionnels. Ça a commencé à Niort, ensuite ça fait Auxerre, ça gagne des titres, ça vient à Lyon, ça gagne violemment des titres et ça repart à Auxerre finir sa carrière. Un joueur, un bosogneux au milieu, un vaillant, un mec qui mettait ses tripes sur le terrain, c'est ça Philippe Violo. Et ouais, ça n'avait pas peur d'aller au combat, c'est ça Philippe Violo les gars. Les gars, ça gagne trois titres Philippe Violo, alors deux plein tube et après t'es nommé sur le troisième, je dis pas de bêtises Philippe. Tout à fait, exactement. Et ouais. Et t'étais incroyable à cette époque, Philippe. C'était une équipe, elle était injouable, on est d'accord. Hein. C'était quand même quelque chose. Hein. Oui, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe-là qui a permis à l'OL de gagner les premiers titres. Et effectivement, sur le papier, on n'était peut-être pas les meilleurs hein, parce qu'on avait des clients en face. Hein. Il y avait du Monaco, il y avait du Paris, il y avait du Bordeaux, voilà, mais on avait un vrai esprit d'équipe et une volonté de gagner des choses et on nous a aussi inculqué cette volonté c'est-à-dire de gagner, d'avancer tout le temps, avancer et gagner. Et le message est plutôt bien passé hein, puisqu'on a pu gagner des titres et puis permettre à l'Olympique Lyonnais de progresser. Donc ça reste un souvenir énorme. Ouais, et tu sais, Coupé, il nous disait, alors parce que je fais la régie en même temps, hein, Philippe, Coupé, il nous disait, on était une vraie bande de copains tous. Tu confirmes ça? Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. On n'était pas les meilleurs individuellement, ça c'est une évidence, mais collectivement, on avait une force qui nous a permis le premier titre et certainement le plus démonstratif par rapport à ça. À la trêve, on a 10 points de retard. Qui aurait pu croire qu'on aurait pu remonter autant de points de retard? Mais il fallait une volonté, il fallait une détermination de chaque instant. Et puis un entourage aussi. C'est vraiment une cohésion. Il y a les joueurs, mais il y a toutes les personnes qui vous entourent aussi, qui vous permettent d'avancer favorablement. Et à cette époque, c'était une communion vraiment totale. Tu vois cette photo? C'est le premier titre. C'est ça le premier titre en vérité. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait des super souvenirs. Ouais. Là, tu as du Cassapa, les gars, pour les petits jeunes. Tu as du Vicage, Dorasso, Pat Muller et naturellement Philippe Violo. Et vu le nez à l'arrière, Bréché, il n'était pas là encore. si. C'était Bréché. Ouais, c'était ouais. Bréché derrière. Alors. Ouais. Ouais, j'ai reconnu un bout de nez de Bréché en espérant l'avoir. Non, mais des souvenirs comme ça, tu vois, je voulais t'en remettre parce que c'était incroyable. Thiago, tu t'en souviens? Bien sûr. Premier titre. Alors moi, là, à l'époque, j'étais vraiment encore gamin. Mais c'est des vidéos que tu re-regardes. J'ai les DVD chez moi de ces matchs-là. Cette finale avec le but mémorable de Claudio qui lope Porato, le but de, je crois que c'est Pat Muller sur une passe de Sony dans les prolongations, c'est ça, ouais. Il y a un but de Simone également côté monégasque. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un match, c'est pour moi, c'est ce qui lancera après l'hégémonie lyonnaise, quoi. C'est,
C'est après la série de titres qui suit derrière. Elle a commencé sur cette Coupe de la Ligue en 2001. Et j'imagine que, et d'ailleurs, tu sais, que bah, Philippe Coupé nous avait dit que ce titre-là, c'était limite, entre guillemets, plus important que le premier titre de champion de France, quoi, pour vous et pour après ce qui suit derrière, quoi. Est-ce que disons que Lyon n'avait pas gagné de titre depuis tellement longtemps, voilà, que le premier allait être fédérateur, on va dire, quoi. C'est, je crois que le terme, il est vraiment important parce que à vous dire, bon, la Coupe de la Ligue, ça reste pas le plus grand trophée qu'on peut considérer en France. Une Coupe de France, c'est différent. Pour moi, le titre de champion, c'est ce qui a le plus de valeur. Mais quand on a vu l'engouement après cette Coupe de la Ligue, franchement, on n'en croyait pas nos yeux, quoi. C'était qu'on est rentré, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je crois, comme je disais, c'est un ensemble. Voilà, c'était une bonne bande de copains avec du talent, bien entendu, parce que on n'arrive pas à gagner les titres comme on a gagné sans talent quand même. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait meilleur que nous. Et ce premier titre de la Coupe de la Ligue, l'engouement derrière, la saison suivante qui s'enchaîne. Enfin voilà, donc c'était, je vous avoue, des moments exceptionnels. Tu te vois là-haut, là ? Regarde. Ouais, bien sûr. Hein ? Ouais, il y avait Cassapa, Edmilson, Sony pour les petits jeunes. Il y avait Loco en haut à gauche. Ouais. Dis pas de conneries. Bah, hein. Ouais, Patrice Loco, David Linares. Linares, L'Aigle, Fouet, Muller, voilà, Delmotte, Vicage, Gomu. Marley que vous voyez, puis Christophe Delmotte en bas à droite. Ça, Delmotte. Ouais, belle équipe. Mais là, Linares, je n'avais pas vu. Je reviens sur l'encadrement. Quoi. Je veux dire, on avait une telle affinité avec tous les entraîneurs, le staff, le médical, les salariés du club. Enfin voilà, il y avait une vraie communion et tout ça, ça nous faisait du bien. Ouais, c'était une belle époque. Hein. Franchement, regarde, il y en a un qui a mis, il y en a un, les émotions de dingue. Regarde, les émotions de dingue. Voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. On va passer aux questions parce que on est au courant qu'à Paris, les gars, ça va, détendez-vous tous. Ouais. Allez, je sais, ça va. Allez, mon Thiago, commence. Tu le connais, le prompteur. On l'a fait ensemble. Allez, mon Thiago. Ouais. On a fait le prompteur ensemble. Bon, alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Philippe. Déjà, donc, tu arrives à Lyon en 97, hein, Philippe. Alors, déjà, juste comment se fait ton arrivée d'Auxerre à Lyon et par le biais de qui, justement? Voilà, comment tu rentres en contact rapidement avec le club? Dis-nous un peu les coulisses de ton transfert en 97. Parce qu'il faut quand même le rappeler, tu sors d'un titre de champion de France avec la JOCR, tu signes également de France, vous faites le doublé avec Giroud et tu signes d'ailleurs à Lyon. Voilà, donc explique-nous un petit peu comment ça se fait. Tout à fait, puis pour la petite histoire, le doublé avec Laurent Blanc. On va y venir, t'inquiète pas. Voilà. Donc, oui, effectivement, donc, moi, quand je suis arrivé à Auxerre, j'ai signé un contrat de 4 ans. Voilà. Et lors de ma troisième année, donc, on fait le doublé, donc coupe championnat. Et puis, on rattaque la saison suivante et la JOCR ne se manifeste pas me concernant, alors que je suis malgré tout en fin de contrat. Puis, Bernard Lacombe m'appelle, voilà, me dit est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Donc, du coup, je prends ma voiture et puis je descends à Lyon et on discute. Je suis reçu par Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe et Marino Faccioli à l'époque. Voilà. Donc voilà, ils m'exposent le projet, ils me disent qu'ils veulent des joueurs d'expérience, que je fais partie des joueurs qui pourraient leur permettre d'évoluer positivement. Donc bon, voilà, c'était le premier contact. Auxerre, c'était une grosse équipe à l'époque. Moi, j'étais au centre de formation d'Auxerre en 97, si tu veux. J'étais chez les petits, hein, chez les jeunes. Et si tu veux, Auxerre, c'était injouable à cette époque. Donc, tu quittes Auxerre pour Lyon, qui n'est rien, hein, faut pas se mentir. Hein.
Il commence quand même à prendre un peu du galon. Ouais, mais c'est pas à l'échelle d'Auxerre et pas. Oui. C'est pas Auxerre à l'époque, hein. On est d'accord. En 97, oui, je crois que Auxerre termine 5e, Lyon 6e. Voilà. Après, concernant la formation, je crois que peut-être Auxerre a une cote un petit peu plus élevée que Lyon à l'époque, mais Lyon forme beaucoup de très très bons joueurs malgré tout. Et le discours que j'entends, c'est on a beaucoup de bons jeunes, mais il faudrait pouvoir les encadrer et on a un vrai projet de futur. Et voilà, et tu fais partie des joueurs. Et ils me citent aussi des noms comme Christophe Delmotte, comme Patrice Carteron. C'est vrai, bon, Carteron. Donc, pour accompagner des joueurs qui étaient déjà en place, hein, qui avaient Glia et tout ça. Et il y avait des joueurs aussi qui étaient présents, comme Florian Maurice, et qui savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas pouvoir garder parce que c'est des joueurs talentueux et qui allaient certainement partir. Donc, le discours m'a plu. Auxerre est après revenu me proposer un contrat de 4 ans. Et finalement, j'ai choisi de. Le discours vraiment de M. Aulas m'a plu et je me suis dit 4 ans à Auxerre, je pense que maintenant je peux tourner la page et même si j'ai vécu des 4 belles années dans un premier temps, j'ai eu une autre expérience et je ne regarde pas du tout mon choix. Giroud, un sacré personnage. Bien sûr, un personnage mythique. Même on peut dire mythique, ce qu'il a réalisé. D'avoir ici, moi. Pardon ? Non, mais je sais juste que Giroud, c'est un personnage que j'aimerais vraiment qu'on ait sur cette chaîne, quoi. C'est une légende, quoi, ce gars-là. C'est incroyable. C'est un mythe, hein. Ce qu'il a réalisé à Auxerre, personne ne refera la même chose, hein. C'est sûr. Maintenant, le monde a évolué, la société a évolué, et puis c'est pas de nouveau réalisable, mais ce qu'il a fait avec le peu de moyens à l'époque, voilà. Oui, parce qu'il faut se dire qu'Auxerre, pour les gens qui ne sachent pas, Auxerre, c'est un village, hein, c'est tout petit. Ah oui, oui. Tu passes comme ça en voiture. Et... Pardon ? C'est 36 000 habitants. Moi, j'ai vécu 7 ans, si tu veux. C'est 36 000 habitants de tête. Bon, maintenant il y a peut-être 50 000 habitants maintenant. 50, ouais. 60, je pense. Ouais, je vous parle de ça il y a un moment. Oui. Donc voilà. Après, il faut associer aussi Daniel Roland, que tu as dû connaître, Julien. Moi j'étais vraiment dans les petits parce que je sais que je fais vieux là. Ah oui. Moi c'était à l'époque on disait Poussin, Benjamin, tu sais, c'était ces catégories là, tu vois. Mais pour le moi petit aussi, souvenir, hein. Tiens, ouais, pour le petit souvenir, parce que j'y étais pendant. Le petit souvenir, c'est que je me rappellerai toujours une fois à l'entraînement, tu sais, c'était les stabilisés devant le stade. On s'entraînait là, les jeunes, et il y avait les pros qui étaient au niveau du grillage. Mmh. Et une fois, Giroud vient derrière le but, je jouais attaquant. Et je reçois un centre et je me penche pas et je tire au-dessus. Tu vois, une action toute faite, je la rate. Il a arrêté le jeu, il est rentré sur le terrain, il s'est mis à ma hauteur et il m'a dit, il faut te pencher, mon garçon. Penche-toi, parce que tu t'es pas penché. Je devais avoir 7 ans. Donc, Giroud, ça m'étonnerait que vous voyez Laurent Blanc arrêter. Hein, même bon, Laurent Blanc, je l'aime beaucoup, hein, moi. Mais ça se fait plus, ça. Il avait toujours son bonnet. Et les joueurs je peux te dire qu'à mon époque, ils nous disaient la même chose. Ouais, non, mais c'était. Donc, quand on faisait séance de tir au but, quand on tapait au-dessus, ils venaient, ils nous montraient, ils disaient tu mets ton pied là, tu te penches comme si tu voulais mettre ta main sur le ballon et tu frappes. Voilà. Comme quoi. Ah. Ouais. Des années après, voilà. Alors, le personnage, on l'aime, on ne l'aime pas, on peut dire ce qu'on veut. C'est dur de ne pas l'aimer quand même. Pardon ? C'est dur de ne pas l'aimer quand même, Giroud. Il avait son caractère, mais c'est dur de ne pas l'aimer. C'est un homme entier. Enfin, je veux dire, c'est là où je veux en venir. Après, c'était un passionné. Donc, on est passionné, on a des attitudes qui peuvent déplaire aussi, donc c'est pour ça que parfois on peut se dire il en fait trop, ça sert à quoi et tout. Mais il le vivait. C'était quelqu'un de tellement passionné et d'une grande culture aussi. Voilà, c'était
de ce côté-là. Alors après, je ne vais pas tout vous raconter non plus, hein, mais on pouvait parler de n'importe quel sujet avec lui, que ce soit la politique, que ce soit la nature, que ce soit n'importe quoi. C'était quelqu'un vraiment de très riche de connaissances en tout cas. Ouais. Tiens, avant qu'on passe au sujet suivant et à la question suivante, tu te souviens quand le ballon il allait en tribune et que le tribune ne le rendait pas? Ben oui. Le mec, il criait tellement fort pour qu'on le rame que t'as tout le stade et le ballon, il était vite en deux, je te le dis. À l'époque, t'avais que un ballon. T'avais que un ballon à l'époque. T'avais pas 5-6 ballons. Hein. T'avais que un ballon à l'époque. C'était un fou. Je te jure, je m'en rappellerai toujours. Je vous dis pas à l'entraînement quand il y a un ballon, qu'il manquait un ballon à la fin, quoi. Ah ben oui. Ah non, mais c'était un fou. Mon Thiago, on continue. T'avais une bande de potes hein, à l'OL, on va pas se mentir. La Ville, Linares, Delmotte, Leg, Greg, Sydney, c'était une bande de copains. Tu gardes quel souvenir de tout ça? Est-ce que d'ailleurs tu t'as gardé contact avec certains je pense à Greg Coupé qui est pas loin de toi, il est à Bordeaux, puisqu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Ouais. Quel souvenir? Quasiment tous, hein, ceux que tu as cités. Alors, on ne s'appelle pas toutes les semaines, hein, j'avoue, hein, mais en revanche, on s'appelle dans les bonnes occasions. Dès qu'on a l'occasion aussi de se faire quelque chose ensemble, on le fait. Enfin, voilà, ça reste une période de ma vie qui a été tellement riche en tant que... sportivement, mais aussi affectivement, quoi. Voilà, on a gardé vraiment de l'affection les uns pour les autres. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Je pense que c'est à vie, quoi. Vous êtes rentré dans l'histoire du club et des supporters. Hein. Tu seras mort et enterré qu'on parlera encore de toi et du premier titre. C'est flatteur. Ben, je te le dis parce que c'est comme ça. Toi, tous ceux que je viens de citer, hein. Mon fils, des fois, il regarde des vidéos. Mon fils, il joue au foot. Il regarde des vieilles vidéos et je lui montre, tu sais. Alors, l'autre fois, je lui ai montré l'arrêt de couper. Je lui montre le titre. Forcément, quand tu montres ce genre de choses, bah, t'as marqué des buts. Voilà, et je lui explique le milieu, ce que c'est, quoi. Parce que bah, lui, tu parles, à part Mbappé, Paqueta. Voilà, mais mon fils, quand même, il aime bien tout ce qui est à l'ancienne. Et tu resteras, comme d'autres, des joueurs qui ont marqué l'OL. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est ancré maintenant. Ça ne bougera plus. Mon Thiago. Ouais. Bah, écoute, belle transition en tout cas, Julien. Belle transition. Parce qu'on va parler justement d'un match bah, qui a marqué plein de générations. Hein, que quasiment, moi, j'avais 4-5 ans à l'époque. C'est ce fameux titre en 2002 où tu marques ce fameux but de l'extérieur du pied où Varmus se trouve un petit peu. Derrière, tu célèbres d'une façon assez incroyable où t'enlaces, je crois que c'est Pierre Leg de mémoire, ou Sony, je ne sais plus. Il me semble que c'est Sony qui t'enlace, avec limite les larmes aux yeux. Enfin, c'est assez incroyable, assez émouvant. Et donc, tu marques ce fameux but. Est-ce que pour toi, Philippe, c'est peut-être le plus beau moment de ta carrière? Est-ce que c'est ce fameux match-là? Ou alors, est-ce que tu as peut-être d'autres images, que ce soit avec l'OL ou avec Auxerre? Est-ce qu'il fait en tout cas partie de tes plus beaux moments? Ah, c'est le plus beau moment de ma carrière, certainement. Je ne suis pas voué à marquer beaucoup de buts dans une saison. Tu en avais mis zéro à Auxerre avant de venir à Lyon. J'ai regardé, tu avais marqué zéro but à Auxerre. T'arrives à Lyon, t'en mets quand même, t'en mets un peu. J'en mets un petit peu, pas beaucoup. Voilà. J'avais un peu une spécialité sur coup franc, mais bon, à Auxerre, j'étais un petit peu frustré parce que bon, j'avais Corentin Martins devant moi et voilà. Il y en avait pas un Laroche où je me souviens plus là. Attends, mais il y en avait, il était pas mauvais au mieux. Comment il s'appelait? Lachuerne. Non, Laroche, ouais, c'est ça. Il y en avait un qui était bon là, qui avait une bonne patte là. Jody Wallem. Non, il jouait à Auxerre. Je sais plus à Auxerre. Ouais, à Auxerre, mais je me souviens plus. Mais oui, à Auxerre, pas chez nous. Je m'en souviens plus. Un qui était bon là sur coup de pied arrêté, là je me souviens. Il y avait un qui avait une bonne patte du moins. Enfin bon, continue, ça, je suis parti sur des souvenirs. Donc après, j'étais pas voué à marquer spécialement des buts. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, à événements exceptionnels, performances exceptionnelles. C'est vrai. Voilà. Hein, les coups, on les sent pas. Sur cette action, je suis au départ aussi.
Et puis après, ben, enfin, ouais, y a de l'espace qui se présente. Et puis, je vois mon Pierrot qui est sur le côté avec sa bonne patte de gaucher, là. Voilà. Et puis, lui, il voit bien qu'il y a une opportunité. Il me la met. Bon, je suis un peu court. Je tente une reprise en taclant et qui effectivement peut-être surprend le gardien lensois et puis il finit au fond quoi. Donc à ce moment-là du match 2-0, bon, on pense effectivement que ça commence à sentir bon. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'était la grande époque. Et mon ami, que penses-tu? Et là, on va y venir. Regarde, les gens, ils veulent savoir. Hâte d'avoir son avis sur Lyon actuellement, sur Chérou, son recrutement, sur ce qu'il fait aujourd'hui dans le football et savoir s'il aimerait revenir à Lyon. Alors, tu sais, moi, ma chaîne, elle a la réputation de ne pas avoir sa langue dans la poche. Et d'ailleurs, Coupé nous a fait des petites confidences très sympas. Il faut que tu sois le plus franc possible. Si tu as un truc à dire, tu peux y aller. Par contre, je ne te dis pas que Lyon ne regardera pas la vidéo. Mais moi, j'aimerais que tu sois le plus franc possible. Coupé l'a été. Ça a fait un petit boss quand même. Je voudrais savoir ce que tu penses, voilà, du milieu actuel de l'OL. Tu as le droit de dire que tu n'aimes pas, que c'est nul, que c'est mauvais, que ça ne se combat pas comme à l'époque. Ou tu as le droit de dire que bah, c'est une équipe jeune, ce que je comprendrais. Dis-nous ce que tu penses. Allez, vas-y. Du milieu de terrain de l'OL? L'OL actuellement, ce que tu Ah, penses de la l'OL. mentalité, ce que tu crois, quel est le problème de Lyon, qu'est-ce que tu penses du milieu par rapport à ton époque, tu vois, Ah, le milieu actuel. du football. Alors, Le milieu de Lyon, hein, le milieu de Lyon, hein. oui, bien sûr, bien sûr. On peut pas comparer nos générations, c'est impossible. Voilà. Après, les choses qui ont été faites ont été faites. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de casting? C'est possible. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se remettre dans le droit chemin, je pense, en reprenant des bases et des personnes qui sont plus dans le profil du football français que ce qui a été peut-être fait sans vouloir fustiller un tel ou un tel, hein, mais je pense que ce qui est fait là aujourd'hui et correspond plus à ce qui nous correspond à nous en France et au football et encore plus à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Maintenant, il y a énormément de talent, on le sait, à Lyon. Voilà, que ce soit les jeunes, on en voit encore aujourd'hui qui n'arrêtent pas de venir compléter cet effectif. Donc, voilà, donc le potentiel, il est là. Après, il manquait effectivement peut-être un peu d'expérience dans cette équipe. Et comme on sait qu'aujourd'hui, le football est devenu de très individualiste, donc la cohésion, elle est compliquée. Et les jeunes veulent aller très très vite. Les moins jeunes sont plus terre à terre avec peut-être un peu plus de valeur club. Donc c'est l'amalgame, il n'est pas forcément toujours facile à trouver. Mais je pense que sans joueurs d'expérience, sans de personnes matures dans un effectif, c'est compliqué de pouvoir bien vivre. Et Et qu'est-ce là, que tu penses l'amalgame d'aujourd'hui, pardon? qu'est-ce que tu penses justement du recrutement de Chéroux? Puisque tu dis qu'on avait besoin d'expérience, et c'est vrai, c'est très juste. Lovren emmène une solidité à cette équipe et une expérience et un leadership incroyable. Qu'est-ce que tu penses justement du recrutement de Chéroux? Ben à l'instant là, je pense que c'est plutôt positif. On est complètement dans ce qui doit être fait. Maintenant, on sait très bien que c'est compliqué pour que ça matche du premier coup. Mais sur le fond, c'est quelque chose qui correspond à l'Olympique Lyonnais, à mon sens. D'accord, mon Thiago. Ouais, bah écoute, après avoir parlé de notre ami Chérou, alors je te cache pas que je suis pas du tout de ton avis, Philippe, on va Je le pas sais. débattre, mais ouais, Je je suis vraiment pas du tout de ton avis, mais malheureusement, sur ce cas Chérou, pour moi, on Alors, devait. pour défendre, il n'y Ouais. a que les résultats qui payent. Donc, quand ça gagne, C'est vrai, on n'en ça c'est parle vrai. plus. Quand Ça ça c'est vrai. perd, ça va pas. Pour le moment, Chérou,
Moi, ce que je lui reprocherais, et on laissera Thiago, je vais te laisser continuer. Ce que je reproche, moi, Philippe, à Cherou, c'est si tu as travaillé, tu as anticipé un problème, normalement, tu n'attends pas le 31 pour avoir des recrues. Comme Lovren, ça a été une recrue qui a été travaillée, elle est arrivée le 2, et regarde, depuis qu'à Lovren, l'équipe, je la trouve beaucoup mieux. On est d'accord, tu l'as dit toi-même, donc on est On est d'accord sur d'accord. le sujet. Pour moi, il n'a rien anticipé du tout, puisque c'est même les joueurs qu'il a voulu acheter qui l'ont dit, qu'il les avait contactés la dernière semaine. Et sur ça, j'ai du beaucoup de mal. Après, là, ça gagne. Est-ce que c'est grâce à Chérou? Est-ce que c'est grâce à Aulas? Est-ce que c'est grâce à Ponceau? Est-ce que c'est grâce à Laurent Blanc? Moi, je pense que je donnerais ce crédit à Laurent Blanc qui a réussi à faire revenir Cherki et tout ça. Mais c'est un autre débat. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour revenir compléter ce que vous avez dit. Thiago, pose-lui la question sur notre cher et tendre. Ouais, surtout par rapport donc du coup au président Aulas. Du coup, Philippe, ta relation avec le président Aulas actuel, comment est-elle? Est-ce qu'elle s'est dégradée avec le temps ou au contraire, elle est toujours restée la même? Parle-nous un petit peu de ta relation avec le président Aulas. Elle est toujours restée la même, très conviviale. Lorsque je le sollicite, il me répond. Comme je suppose, il le fait avec tous ses joueurs. Enfin voilà, c'est quelque part, j'ai trouvé à Lyon peut-être ce que j'avais pas au CER. Ça pourrait paraître Ah oui. contradictoire parce que à Auxerre, on dit que c'est un club familial. Mais finalement, Giroud, comme tout à l'heure, je vous ai dit que Giroud, il avait ses bons côtés et ses moins bons côtés. La convivialité, ce n'était pas du tout sa tasse Manque de de thé, parce tendresse. que C'est un rustre. ça allait à l'encontre des résultats, parce que ça voulait dire fête. Donc fête, pas résultat le lendemain. Voilà. Et à Lyon, j'ai vraiment trouvé cet esprit famille, cet esprit. De partager les choses, de pouvoir travailler ensemble pour faire évoluer les choses et toujours avec un discours positif. Même les moments, on a connu des moments compliqués, hein, parce que là, on parle que des beaux moments. Mais bon, Ouais. on en a quand même essuyé quelques-uns qui n'étaient pas glorieux. Tu Et m'étonnes. à chaque fois, le président était là derrière nous. Enfin, je ne vais pas dire qu'il était super sympa le lendemain, mais derrière, toujours un discours positif pour aller de l'avant. Et son discours, c'était se servir des échecs pour repartir de l'avant et conquérir d'autres choses. Donc vraiment, voilà. Pour moi, ça restera quand même une personne qui m'a énormément marqué. Et ça reste vraiment un modèle et encore aujourd'hui, je vous le dis, hyper accessible, quoi. D'accord. Eh bien, ça tombe bien que tu nous aies dit ça parce que tu vois, tu as des choses qui se sont mal passées à ton passage, des choses qui t'ont marqué, ça s'est mal passé pour toi et ça t'a touché. Parce qu'on parle que des choses positives, mais tu viens de le dire, on a eu des mauvais moments. Est-ce qu'il y a des moments, tu peux ne pas en avoir, hein, mais est-ce qu'il y a des moments qui t'ont moins plu, qui ont été durs pour toi? Bien sûr, enfin voilà, on a eu des périodes difficiles en championnat où ça se passait pas bien. On a eu la défaite en l'élimination en Ligue des Champions contre Marigord, le lendemain matin, à l'entraînement, on avait une horde de supporters qui étaient là avec des fumigènes. On ne pouvait pas les s'entraîner parce qu'ils n'étaient pas contents. Ce n'est pas des moments qui, dans une carrière, on a envie forcément de relater, quoi. Mais ça fait partie aussi de la vie des sportifs. Et voilà, aujourd'hui, on va dire, les joueurs sont un petit peu plus éloignés de tout ça parce que on les approche pas physiquement. Nous, à notre époque, ils étaient derrière Accessible. le, voilà, ils étaient derrière la barrière et voilà, on n'allait pas à l'entraînement, on n'allait pas à l'entraînement, quoi. Ouais, c'était pas pareil, c'était autre chose. Ah oui. Mais C'était autre chose. En même temps, on avait plein d'échanges, de bons échanges aussi, et puis le futur nous aura donné raison. C'est vrai. Comme disait Greg, on se prenait une bière, on allait tous dans la piscine à la fin du match, on était une vraie bande de copains. Exactement, c'était un rituel, en fait. C'est ça. Mais ouais, ça devait être un bon rituel tout ça. Mon Thiago,
Ouais, bah écoute, on avait parlé de Laurent Blanc là. Ce sera bien. Voilà, on est. Ah, on a perdu Montiago. Alors bouge pas, Okay. je vais te la poser la question sur Laurent Blanc. Tu as connu Laurent Blanc lors de ton passage. Parle-nous un peu du coach, parle-nous un peu de l'homme, ses méthodes de travail. Est-ce que pour toi, c'est le bon coach à l'OL? Je vais te donner mon avis, tu me donneras le tien, je vais te le donner parce que je veux le savoir. Mais moi, perso, par exemple, en tant que supporter, je l'aime beaucoup. Et je pense que ce qui est en train de se passer, le retournement, c'est un peu grâce à lui. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. Enfin, dis-nous ce que tu en penses. Je rejoins complètement ce que tu dis et je regrette qu'il ne soit pas venu plus tôt parce qu'à une époque, il aurait dû. Oui. Il était effectivement enfin postulant. Hein, il était, je crois que c'est à l'époque de Rudi Garcia, je pense. Ils étaient tous les deux c'était Rudi ou Laurent Blanc. Et voilà, donc non, enfin, moi, je sais pas si je suis très objectif, si je serais très objectif Non, mais tu peux nous dans. dire ton passage du coup, parce que toi, tu l'as connu. Tu dis Bah la oui, bien vérité, sûr, tu moi dis je ce que l'ai. tu penses. Ben enfin, voilà, moi je l'ai connu. J'étais un gamin, j'avais 24 ans à Auxerre, et j'ai un grand monsieur qui débarque de Naples avec des titres, avec enfin voilà et qui vient nous. Alors, vous vous rendez compte, Laurent Blanc, avec le passé qu'il avait, débarqué à Auxerre. Donc, comment c'est possible? Encore une fois, une parade de Giroud, et voilà. Et à l'arrivée, ben on fait une saison exceptionnelle, et puis on gagne des trophées ensemble. Donc, ça reste quelqu'un, pour moi, déjà, qui reste un très grand professionnel, quelqu'un qui maîtrise complètement son sujet, qui reste positif dans sa manière de penser. Et à l'époque, je pense que même si on avait une belle équipe, c'était la valeur ajoutée de notre équipe. Voilà, bon, après, j'ai suivi son parcours, bien entendu, et ça reste quelqu'un qui, pour moi, reste une des références du football français, autant en tant que joueur qu'aujourd'hui en tant que coach. Après, il est comme tout le monde, hein, il y a des aléas, c'est pas simple, hein, c'est pas simple non plus. Mais j'ai beaucoup d'estime pour Laurent. Oui. On lui souhaite d'ailleurs bon prompt rétablissement. Hein. Il Il est souffre malade, hein? actuellement d'une pneu. Bon, je n'ai pas le mot exact. Excusez-moi, Pneumopathie, je crois que c'est voilà, ça. pneumopathie, D'accord. petite infection au poumon, ouais. Donc, d'après les infos, son état serait stable. Donc, voilà, courage à lui et qu'il nous revienne en forme, Lolo. Ouais, c'est chaud, hein. On va Oui, espérer que ça aille. j'avoue que j'avais pas cette information, mais j'avoue que bon Oh, rétablissement. il est bien malade, hein. Il est toujours pas revenu, hein. Il est bien, bien malade, OK. hein. J'ai un nouveau petit jeu. Tu C'est ton réponds, moment, ça ça, va Julien. très C'est ton très vite. moment. Ouais, il y a le tu préfères, mais j'ai un petit jeu que je veux tenter. Vous me dites si ça vous plaît dans le chat, les gars. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous. C'est important pour Philippe parce que c'est beaucoup de respect pour lui, là, plein de pouces. Non, je rigole, mais ça me fait plaisir à moi. Mon Philippe. On passe, alors je n'ai pas encore inventé de titre, voilà, le tu préfères, ça sera après, à la première. Tu dois juste répondre par un nom. C'est pas compliqué. Tu vas voir. Le meilleur joueur avec qui tu es joué, que tu aies joué. Sonny Anderson. Putain, c'est fou ça. Et t'es pas le premier à me le dire. Le pire joueur avec qui tu es joué. Le Ça pire. va aller dur. Je ne crois pas que ça va être L'instant facile. Joker. Non, non, là, j'ai pas dit de joker sur celle-là. Il n'y a pas On de n'a pas le joker droit au sur celui-là. Joker? Ah, le joker, c'est pour le tu préfères, c'est après. Ah oui, ça va. Elle est nulle, cette question, en fait. Mais Ah tu bah sais ouais, elle n'est pas que cool. Julien, Tu as le droit de ne pas y répondre, si tu veux. Oui, dis-moi. est-ce Thiago. que Philippe, tu as déjà fait un match avec ce gardien-là? Personne ne s'en rappelle, alors peut-être à part Philippe, Angelo Hugues. Bah, bien sûr. Je me souviens Tu bien as. d'Angelo. Bah oui. Mais qu'il me semble qu'il fait zéro match, il me semble, non? Il me semble qu'il joue pas, hein. Il joue jamais. Sous le maillot, il me Bah oui, semble, parce qu'il enfin. y avait Greg. Mais en fait, Angelo, il est arrivé en même temps que nous, quoi. Avec Ouais, ouais. Patrice Carteron, Christophe Delmotte. En fait, on est arrivé quatre à cette époque-là. Patrice Carteron, Christophe Delmotte,
Angelo et moi. Ouais. Voilà. Et ben Greg était jamais blessé, donc c'est ça. Ouais. Donc bon, il a peut-être fait un match de Coupe de France quand même, non? Je crois pas. Il me semble qu'il a zéro match. Et tu vois, quand on parle des titres, etc., il y a des joueurs forcément qui marquent moins. Mais c'est vrai que Angelo Hull, personne n'en parle. Et c'est quand même quelqu'un qui a à son palmarès ce fameux titre avec vous. Ouais, en plus, c'est un super mec. Franchement. Voilà. Je ne le connais pas du tout, mais. Il fait partie de tous, de l'esprit et tout ça. Il était vraiment. Et c'est là où. C'est important. Je pense que c'est là où à l'époque, Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe ont été très bons. C'est que il y avait un esprit et les joueurs qui venaient nous rejoindre à chaque fois collaient à l'esprit. Il y avait pas de sujet quoi. On remettait un, deux, trois joueurs en plus. Bah, hop, ça filait tout droit quoi. Il y avait pas de sujet quoi. Voilà. On continue. Alors bon, tu veux pas dire le plus mauvais. Ben, je pensais que tu allais l'oublier, mais. C'est le Joker. Non. Allez, tu sais quoi, je t'accepte le Joker. Moi, Philippe, hein. Alors, le plus râleur. Le plus râleur. Johnny, t'es quand même pas mal. Ben, c'était moi. C'est vrai. Ah. C'était moi, je pense. Ouais. Le plus gentil. Flo Laville. C'est vrai. Donc, beaucoup me répondent qu'à ça, pas. Hein. J'ai pas eu, parce que peut-être la génération qui a suivi, mais beaucoup me répondent qu'à ça pas. Le plus têtu, Christophe Delmotte. Christophe Delmotte. Et on passe au tu préfères. Le tu préfères, c'est parti, on y va. C'est terrible, t'as le droit à un joker. Méfie-toi, c'est pas facile. L'aigle ou Delmotte? Ils galèrent tous. Delmotte, parce que je l'ai plus connu que Pierrot, parce qu'on est arrivé ensemble. On est arrivé ensemble, on a partagé les tout premiers moments ensemble. Pierrot est venu après, mais bon, enfin voilà, quoi, entre les deux, il n'y aurait pas de sujet, mais bon, mon tof, voilà, ça fait partie des premières années, donc c'est... Ça sera mon préféré. Aulas ou Lacombe? Aulas. Ah, je sais ce que tu vas répondre sur la prochaine. Giroud ou Aulas? Alors. Je t'aide. Les deux, elles sont faciles, si tu n'as pas envie de répondre. Non. Les deux personnages hyper, comme je vous l'ai dit, hein, hyper intéressants et tout ça. Ouais, c'est dur quand même, quoi, c'est parce que c'est deux personnages mythiques du football français. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Joker. T'as bien choisi ton Joker. Les autres sont faciles. Messi ou Ronaldo? Lequel Ronaldo? Cristiano. Le travail ou le talent? Hey, je regarde, il y en a qui ont répondu Ronaldo, il y en a qui ont répondu Messi. Alors, pour avoir quelques infos de ça, enfin, c'est deux joueurs exceptionnels. Hein, Ronaldo, malgré tout, pour le travail et ce qu'il est capable de faire encore à son âge. Je te remercie, Delmotte. Magnifique. Je te remercie, Philippe. Magnifique. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ont répondu comme toi, c'est pour ça. Lyon ou Auxerre? Ah, ça, elle est compliquée, celle-là, quand même. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lyon. Voilà. Un titre avec l'OL ou un titre avec Auxerre? Pardon? Un titre avec l'OL ou un titre avec Auxerre? Ah, Auxerre. Oui. Bien. Là, je vais mettre la balance à Auxerre parce que c'était une année exceptionnelle. Quand on fait un doublé, à l'époque, on l'a fait. Ouais. À l'époque, on l'a fait. Il y en avait très, très peu. Et pour une ville comme Auxerre, il fallait quand même réaliser cet exploit.
Et on a terminé, je te remercie. C'est jamais facile le tu préfères, mon Philippe. Ça va, je ne suis pas trop torturé quand même sur la fin. Non, c'était avec plaisir. Franchement, c'est Non, mais cool. j'aime bien. J'aime bien. Ah, il y en a une, c'était dur. Le plus mauvais, tu ne l'as pas mis, celle-là. Alors, c'est pas grave. Non, Honnêtement, mais c'était la première. franchement, Je testais le jeu. le plus mauvais, il faudrait me laisser un peu de temps pour. Non, mais c'est hyper. Non, mais en plus, quand on dit mauvais, c'est manquer en soi un peu de respect aux joueurs. C'est vrai que c'est dur, quoi. J'aurais peut-être C'est dû dire dur. celui avec qui tu t'entendais le moins. Voilà, peut-être. Ouais, éventuellement. Tu pourrais peut-être retourner C'est méchant. la Ouais, question mauvais, dans c'est ce méchant. sens. Alors, Voilà. lequel avec qui tu t'entendais le moins? Moi, je m'entendais bien avec tout le monde, hein. Donc, Ouais, t'as l'air bien gentil. Non, j'ai plutôt un côté fédérateur, voilà, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup fédérer, donc c'est, enfin, même quand, enfin, pour moi, y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de personne qui mérite pas d'eux, donc l'important, c'est qu'on s'entende tous bien et qu'on fasse avancer les choses, quoi. Vous vous imaginez ou pas, parce que voilà, moi ça a plus me parler et à beaucoup aussi, mais vous vous imaginez que Philippe Violeau a quand même joué avec Juninho qui arrivait du Vasco de Gama, qui au début avait du mal, Juninho, il faut se rappeler qu'il avait du mal au niveau de l'acclimatation, et c'est vrai que c'est Coupé aussi qui le disait, Même et lui, hein. Juninho avec son fameux numéro 12 là, son maillot plus grand que lui, il était tout frêle, c'était enfin, il faut se dire quand même, c'est incroyable quoi, que enfin, c'est. Moi, quand je vois Philippe Violeau, voilà, je pense à toute cette bande avec Flo Laville en 6, t'avais du David Linares derrière. C'était des mecs, enfin, c'était incroyable, quoi. Tu sais que c'est, enfin, tu partais à la guerre avec ces gars, mais t'avais pas peur. T'avais pas peur. Moi, je me souviens des buts là, de Toff Delmotte quand il marquait. Il met un doublé à 3 pour le premier titre. Il met deux minaces et avec la rage, le poing. Tu sens, mais c'est incroyable. Tu vois ces images-là. Et même dans le football actuel, je dirais, pas que l'OL, hein, mais dans le football de manière générale. Toutes ces choses-là se perdent, la rage, la gagne. Tu sens que maintenant, tu as des mecs qui marquent, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas ce côté, comme disait Philippe, fédérateur, etc. Haine de la défaite, limite. Et c'est vrai qu'à ces époques-là, et surtout chez nous, à l'Olympique Lyonnais, tu avais des gars, c'était incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'était Après, exceptionnel. il faut vivre avec son temps aussi. On est à C'est une vrai autre époque aussi. aussi. Voilà. Nous, on avait beaucoup moins de talent, donc tout ce qu'on faisait, pour nous, Détrompe-toi, Philippe. Non, il y a quand même du talent quand même. Du non, QI football, assez important quand même. ouais, mais oui, mais malgré tout, je veux dire, aujourd'hui, voilà, que vous pouvez le voir, vous êtes plus jeune que nous, vous réagissez pas comme nous. Si Peut-être vous avez aussi, ouais. des enfants, ils réagissent pas pareil non plus. Moi, je le vois avec mes enfants aussi, quoi. Voilà, faut aussi évoluer. On peut pas vivre avec le passé. Enfin, voilà, il faut s'adapter tout simplement. Et les entraîneurs qui réussissent, je pense que ce sont ceux qui arrivent à bien s'adapter à ces nouvelles générations et de faire en sorte que leur passé de fédérateur puisse amener à ce que ils arrivent à malgré tout, dans ce contexte, à avoir une cohésion qui fasse que ça matche, hein, tout simplement. Voilà, on le voit aujourd'hui avec Paris, hein, c'est pas parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde qu'il Il faut un plus, il faut faut qu'on plus, gagne il tous faut les une matchs. âme. Il Voilà, faut une âme et une exactement. philosophie. Faut Mais avoir, tu. exactement. Une âme, une philosophie, et puis un projet, un vrai projet qui parte de là-haut. C'est exactement ça. Exactement ça. Messieurs, je vais vous laisser parce que vous voulez tous voir le match en vérité. Non, mais messieurs, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je te remercie, mon Thiago, comme d'habitude. Merci les gars, merci à tous, merci Philippe Bah, encore. merci, Toujours un merci à plaisir. vous. Non, et surtout, merci à toi, Philippe. Bah, non, mais merci à vous, et puis au plaisir de. Voilà. En tout cas, bah, je te remercie, mon Philippe. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci, mon Thiago. Je vais te souhaiter aussi une bonne soirée. Tu reviens quand tu veux sur la chaîne, mon Philippe. Je suis à votre disposition. En espérant un jour trouver un maillot dédicacé comme cela de toi. Allez, je vais Si ouvrir tu en mes. as un Je vais qui monter dort au dans ton grenier. armoire, écoute, Je pense à vais moi. monter au grenier et je vais voir si je trouve pas quelque chose. Mais là, tu me ferais, Merci tu ferais vraiment plaisir à un supporter, mon Philippe. Je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme dirait Barthes, surtout n'oubliez jamais, messieurs, cette chaîne, elle a eu Philippe Violeau. Ciao les gones, ciao les fenottes, et allez l'OL, Ciao, ciao. merci Ciao, Philippe. ciao. Salut à tous. Ciao, ciao.